Et salut les héros, c'est Dojo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia. Vous en avez l'habitude maintenant. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va chaud patate. Aujourd'hui, on se retrouve un petit peu. Je me suis dit hier que je ferai une présentation de ma box après les invocations sur Endeavor pour que vous voyez un petit peu où est-ce que j'en suis. Alors, moi, il faut savoir que je suis un joueur depuis Day One. Donc, depuis, je crois, de mémoire, le 20 mai. Et je suis un joueur free-to-play, donc je n'ai pas mis le moindre centime dans le jeu. Concernant ma box, donc vous pouvez voir déjà tout de suite que je suis à 225 000 BP au total. Et pour ce qui est de mes meilleurs personnages, donc vous pouvez aussi voir que je n'ai pas de SS à mon grand désarroi. Donc déjà, pour ce qui est des personnages, ce qui me manque, c'est Shota. Donc il me manque Shota. Il me manque All Might, que j'ai pas réussi à avoir malgré mes 70 invocations dessus. Rip les Hero Coins. Il me manque Fumé Kage, il me manque Momo les gros boobs, et il me manque... voilà. Lui. Le nul, on va l'appeler. Pour ce qui est des personnages, donc j'ai Minoru niveau 60, sinon j'ai monté tout le monde niveau 90, excepté le petit Tenya, tout simplement parce que j'ai préféré focus autre chose. Je vais monter Minoru niveau 90, il va remplacer Tenya en fait, qui est actuellement dans mon équipe arène, mais qui pue trop la merde en PVP. Et là, sinon tout le monde est niveau 90. Donc pour ce qui est de mon meilleur personnage, c'est Izuku. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans les personnages. Voilà, ce sera un petit peu plus parlant d'ici. Alors, comme vous pouvez le constater, mon meilleur personnage actuellement, c'est Izuku. Izuku qui est donc à 26 832, très exactement, de Battle Power. De mon deuxième meilleur personnage, du coup, est Tochako, qui l'emboîte. Voilà, hein, toute proportion. En tout bien, tout honneur, à 26 269, après vous avez Denki, vous avez Echiro, vous avez le monsieur Endeavor, vous avez Shoto, en fait c'est pas du tout dans l'ordre, qu'est-ce que je dis, donc vous avez bien Echiro en 4ème position, après vous avez Shoto, après vous avez Endeavor, ensuite vous avez le petit Bakugo juste au-dessus. Entre temps on a oublié Tsuyu, mais on s'en bat les couilles de Tsuyu parce qu'elle pue la merde Tsuyu. Et enfin vous avez donc Tenya et Minoru qui sont mes deux personnages, mes deux seuls personnages qui ne sont pas niveau 90. Donc voilà pour un petit peu tous mes persos. À mon grand désarroi, il m'en manque quelques-uns qui pourraient me permettre d'avoir un petit peu plus de BP. D'ailleurs, j'ai vraiment du mal à savoir ce que ça vaut, 225 236 BP, sachant que là, ça fait vraiment un mois que je joue. J'ai commencé le 20 mai, ou le 21. Le 21. Donc, les gars, si vous êtes free-to-play, mettez-moi en commentaire combien vous avez de BP au global. Parce que ça m'intéresse vraiment, ça nous permettra à tous d'ailleurs de nous situer pour savoir un petit peu qui est devant, qui est trop fort, qui est un petit peu à la bourre. Et surtout, ça me permettra de savoir si y a moyen d'améliorer ça ou pas. Donc, pour ce qui est un petit peu des fragments, le personnage que là, j'ai recommencé un petit peu les farms de fragments. Tout simplement parce que j'ai bientôt Denki, enfin bientôt. Il me manque du coup 18, 27, moins 2, il me manque 25 fragments pour avoir Denki SS, qui serait mon premier perso SS. Donc j'ai repris le farm des fragments de Denki, de Izuku et de Ochako. Mais ils sont pas vraiment prêts d'être SS. Pour ce qui est des cartes, on va regarder un petit peu les cartes. Donc, j'ai pas eu beaucoup de bol hein, sur mes cartes. Là, j'ai commencé un petit peu à les farm pour toutes les mettre level 20. Mais là, vous voyez, j'ai pas mal d'épiques hein, de 4 étoiles. J'ai quelques 5 étoiles. Vous le voyez, il y a Present Mike. Mais j'ai pas les 7 complets. Même lui, d'ailleurs, j'ai pas le 7 complet. Donc, c'est pas fifou. Et si on descend un petit peu, on peut voir que voilà, j'en ai 6 derrière. Dont 2 sets complets. Donc là-dessus, y a quand même, c'est quand même plutôt positif. Et sinon, j'ai pas mal de sets de 4 étoiles. Hein. Pour l'instant, je me contente de ça en attendant mieux. Et là où j'ai eu du bol, donc c'est, et ils ont tous mes personnages plus ou moins ont la carte active qui pue du cul là, la 4 étoiles, mais j'ai eu quand même pas mal de bonnes cartes actives, dont Snipe,
dont Pinky, qui me permettent d'avoir, j'ai tout mis sur Izuku, hein, vous l'aurez vite vu, de toute façon vu que c'est mon meilleur perso, c'est celui qui me permet d'aller le plus loin. J'ai aussi eu ces deux cartes passives, dont une que j'ai récupérée dans le dernier pack opening Endeavor, hein, au cas où vous l'auriez pas vu, dont un combo qui me donne quand même un bonus de 90 points supplémentaires, en plus des deux cartes actives qui me donnent 200 points d'attaque supplémentaire, donc plus 290, rien qu'avec les cartes d'Izuku. Ensuite sur Ochako, bon, j'ai juste la carte active de Mount Lady qui me permet d'avoir une carte active plutôt sympa, hein, c'est une 6 étoiles et la carte qui pue depuis toujours. Après j'ai deux combos, un 4 étoiles et un 5 étoiles qui est quand même pas mal, qui me donne un bonus d'attaque de 90 comme l'autre. Ensuite, bon, on va passer brièvement, j'ai eu une des cartes 6 étoiles de Eiichiro, bon, tant que j'ai pas la deuxième, elle me sert pas à grand chose, je l'ai mise quand même parce qu'elle est bien meilleure. Sinon j'ai le fameux combo 4 étoiles, la carte active qui pue du cul, Shoto, c'est que du 4 étoiles. Tsuyu, il va falloir que je change ça, j'avoue que là, il y a moyen d'optimiser ça, hein, parce que bah du coup, il y a moyen de mettre Present Mike et donc d'avoir le kit à 5 étoiles. Je le ferai juste après parce que c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Sur Endeavor, pour l'instant, j'ai pas mis grand chose. J'ai juste mis les 4 étoiles en attendant de pouvoir les monter parce que les ressources, comme vous le savez, se font cher. Sur Bakugo, pareil, j'ai que du 4 étoiles. Sur Tenya, pareil, j'ai que du 4 étoiles. Et sur Minoru, pareil, je n'ai que du 4 étoiles. Les actifs qui me restent, évidemment, c'est l'active de Heavy Strike. Je vais passer brièvement sur les talents pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. J'avais commencé à monter Denki. J'ai vite arrêté parce que, entre-temps, j'ai eu un autre perso technique. Vous savez de qui je veux parler. Pour Izuku, j'ai quand même monté les deux branches. Pour Ochako, j'ai aussi monté les deux branches parce qu'elles sont trop trop fortes sur Ochako. Donc pour rappel, celle-là vous permet de rester en l'air plus longtemps et celle-là double la zone du E. C'est juste trop trop fort, c'est un must-have si jamais vous ne l'avez pas encore fait. J'ai monté un petit peu Jiro, d'ailleurs je l'apprends en même temps que vous. Erreur de débutant on va dire, hein, évitez de faire ça à la maison. J'avais monté un petit peu de Shoto parce que c'était mon premier S, donc forcément il m'avait bien fait kiffer. Et là donc je suis en train de monter Endeavor, j'ai pris sa capacité en bas à droite, j'étais parti sur celle en haut à droite pour booster les dégâts et finalement je me suis dit que celle en haut à gauche serait quand même meilleure parce qu'elle me permettait d'avoir plus de heal, ce qui est vraiment craqué en PVP sur Endeavor. Pour finir et pour être vraiment complet sur la review, j'ai pas mal farmé la Night Ops, donc c'est sûr que niveau chip je suis plutôt bien fourni. Donc là j'ai les kits sur tous les persos sauf Endeavor je crois, j'ai un 5 étoiles et 2 4 sur Denki. J'ai full 4 étoiles sur Izuku, sur Ochako j'ai son full 5 étoiles, sur Eiichiro je n'ai pas le kit complet, comme quoi. Sur Shoto j'ai donc 2 5 étoiles et 1 4 étoiles. Sur Tsuyu, j'ai la chance de posséder le kit complet. Sur Endeavor, je n'ai que dalle parce que j'ai monté les autres chips, donc j'ai tout revendu. Donc c'est clairement le perso que je suis en train de focus. Sur Bakugo, j'ai eu ces 3 cartes en 4 étoiles. Sur Tenya, j'ai eu beaucoup de chance, hein, sur Tenya. Ouais, je suis content. En ayant donc 2 fois ces 6 étoiles et une fois la 4 étoiles qui me permet d'avoir le set complet. Et enfin sur Minoru, j'ai tout simplement 2 fois ces 4 étoiles et une fois ces 3 étoiles. Pour rappel, quand vous avez le kit complet d'un personnage, prenons Ochako, vous avez un set additionnel qui s'affiche. Donc là par exemple, pour Ochako, les dommages créés par son W sont augmentés de 7%. Avec un critique garanti et ça vous donne aussi 20 HP. Donc c'est méga fort. Non, c'est pas méga fort en l'occurrence, mais ça vous donne quand même un bonus sympa. Et vous voyez, c'est la même chose pour tous les personnages. Faites bien attention aussi aux stats que ça vous donne. Parce que là, par exemple, j'ai monté une chip qui me donne de la technique sur Izuku, qui est un personnage speed, un personnage S, et qui donc n'a pas besoin de technique. Donc, je suis débile. Merci de me le rappeler. Et voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette petite review de ma box après un mois de jeu vous aura plu. Je vous laisse me dire en commentaire combien vous avez de BP global et si vous avez réussi à avoir un SS en free to play. Je suis vraiment curieux de connaître la réponse et je suis un petit peu curieux, j'avoue, de me comparer à vous pour savoir si vous êtes meilleur que moi aussi. Ou si c'est l'inverse. J'attends vos retours dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça me fait toujours plaisir.
Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao les gars.